Hello les gens, ici c'est Shadowar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Tomb Raider. Alors je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé entre la caverne avec l'énigme, avec les gens bizarres de la secte là, avec les gollums. J'ai réussi à attendre là où ils retenaient ma copine la chinoise là. Je me suis fait choper, j'ai pris un petit bain de sang, c'était super pour la peau. Et là je suis en fait en train de m'échapper du complexe en question, qui est complètement en feu et qui tombe en ruine. Et donc ça alterne entre des phases d'exploration et des phases de combat, avec une petite musique épique. Là je viens de retrouver Sam, et donc ils doivent retrouver le sniper Ross. On doit le retrouver et puis se barrer de l'île. Grosso modo. Allez. Ça commence bien, hein. Il y a le feu. Il y a le feu partout. Je crois que j'ai fail. J'ai fait un magnifique fail, oh putain. Non mais elle a pas voulu s'accrocher avec la torche en fait. Avec la pioche. Allez, bouge-toi. Tu sautes. Saute, bordel. Ah, tu sautes, tu mets pioche. Voilà, bien. Putain, ça explose. Putain. J'aime bien le type. Putain, l'hélico. Et puisque je vous rappelle la dernière fois qu'un avion qui a essayé de atterrir ici, il était frappé par une force surnaturelle, on va dire. Et il s'est écrasé comme une merde. Mais on va tuer nos hommes. De toute façon, t'es mort. Y a-t-il d'autres incroyants? Allez, cours, bordel. Mon dieu. Scène extrêmement américaine. Oh non, pas encore un putain de QTE. Putain, pour une fois que je m'en sors du premier coup. Cours, bordel. Je crois que je suis tombé. Putain. J'ai l'impression de mourir toutes les deux minutes dans le jeu. Ah mon dieu, un pont en bois qui explose de partout, qu'est-ce que c'est américain? Vas-y bordel. On nous tire dessus. Attendez, les tempêtes. C'est trop dangereux. Vous allez mourir. Merde. Oui bah toi aussi t'es dans la merde, alors pense à sauver un peu ta peau d'abord. Damn, ça explose de partout. Ouais. Là. Je contrôle absolument pas ce qui se passe. Petit bug de grillage qui me raccroche le pied. C'est dingue comme une structure en bois peut exploser. Allez, un petit peu d'équilibrisme. Allez. Allez, on se dépêche. Petite musique qui a un côté pirate des Caraïbes, je trouve. Ouais. Mais mon bordel. Viens me chercher, je suis sur un toit. Ross, où es-tu? Allez, saute. Ouais, c'est un peu loin quand même. Hein. C'est très très loin. Alléluia. Sympa de me remonter, merci. Là, prends ma main. Et voilà.
Si on n'atterrit pas, on va s'écraser avec cette tempête. On peut pas partir. Ah, puis il y a les autres qui sont en train de survivre. On peut pas les laisser. Il faut atterrir. Pas question, pas avec ce temps. On ne peut pas les abandonner. Désolé, je vais pas encore risquer ma peau. Faites-le. On va se cracher. Allez. Putain, c'est convaincant, là. Putain, mais vous êtes vraiment dingue. Je parie que Pudel va mourir. Accrochez-vous. Je crois qu'on est à peine en feu, mais bon. Lara! Lara! Du Rose, t'as une haleine de merde. Allez là. Et voilà. Putain, l'autre avec sa hache là. Il fait quoi? Oh putain. Bah tu pouvais pas sortir ton autre gun avant toi. T'es con quoi. Ross. C'est bon, c'est déjà pété les jambes. Jamais sans toi. On peut bien survivre à ça. Pardon. Tu y arriveras. Tu es une Croft. Il est mort assis comme ça, lui. Non, 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 pas ça. Tu n'as rien, Lara? Si elle n'a rien, tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là? Tu es injuste, Reyes. Je sais. J'aurais pas dû dire ça. C'est parce qu'elle était complètement kiff sur Ross, c'est pour ça. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Le préparer à manger? Il est mort en guerrier. Il faut lui rendre hommage. C'était la petite séquence émotion. Cette vieille vedette sur la plage, je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Bonjour, je suis méga défaitiste. Allez, Lara. Il faut pas dire ça. On doit se reprendre. Mettre au point un plan, tu vois? Vous ne comprenez donc pas. Aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose? Lara, tu devrais dormir.
Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres, mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici. Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct, mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais, il est où le professeur, là? Tu sais où nous trouver. Reviens quand putain, tu seras prête. Plus. On ne partira nulle part sans toi. Je l'avais vu quand j'étais en train de me barrer, là, mais je me souviens plus du tout où il est. Garde ça sur toi. C'est avec les autres, capturé, avec les méchants. Mais tout le monde s'en fout, apparemment. Ross, qu'est-ce que je vais faire? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu croies en toi. Personne ne part. Les tempêtes, elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau! On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. Jonah! Reyes! Ça y est, je peux enfin bouger. C'est pas vrai! Putain, c'est pas un feu de camp. J'ai jamais dû les laisser y aller sans moi. Bon, séquence riche en cinématique, bordel. Moi, je voulais jouer, en fait. Ah, enfin, faites quoi, je pourrais améliorer des trucs. C'est ce que Ross aurait dit. Ouais, mais il est mort. Je n'arrive pas à croire qu'il n'est pas la dame. Plus d'histoire sur mes parents, plus de randonnée en montagne. J'aurais préféré mourir à sa place. Même si t'étais mort, tu aurais plus de... Mais je suis là. Il n'y aurait plus de jeu, hein, je pourrais dire, donc... Et je suis certaine qu'aucun bateau ni aucun avion ne permettra de quitter cette île. C'est pas un truc intéressant à augmenter, là. Expert en pistolet. Unico et ce monastère sont la clé de l'énigme. Je dois faire quelque chose. Je dois arrêter ça. Ça, c'est super. Le truc au fusil à pompe. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer comme arme? Dadadam. J'ai quasiment tout... Ah, j'ai dit nouveau truc. Quasiment tout augmenté au maximum. Nanana, temps de recharge. Réduire le recul. On va enlever le recul. Puis le temps de recharge aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, allez, on va continuer un peu. Bon, du coup, pour ceux qui voulaient pas se faire spoiler l'histoire, ben, je viens de spoiler un méga bout. Ah tiens, un hélicoptère. Il est dedans, le monsieur. Tu vois, je l'avais dit qu'il allait mourir. Ah, mais c'est pas faux. Non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas la voix. Hélicoptère, hélicoptère. Allez, on y va. Ah, un truc. Voilà. Un lapin. J'ai foiré le lapin. C'est ça, espèce de bâtard. Bon, d'accord, j'arrête de chasser le lapin. Allez, on va continuer un peu l'histoire quand même. Par où il faut aller? Par là? Bon, on va par là.
Une phase un peu plus calme parce que là, la partie d'avant, partie d'avant c'était super. J'ai le cœur qui tape à ça en l'air, bref. Allez. Dans tes rêves. Ça s'appelle des loups. Rendez-vous avant que les loups vous trouvent. Mais tu vas voir les loups, je vais les déglinguer moi. Je vais les déglinguer. Alors, qui c'est que je peux me débarrasser? Toi, t'es pas utile là. T'es pas utile non plus. Oh merde, je l'ai foiré. Il est où? Oh, une biche. Ils ont tué Bambi. Merde. Ta gueule. Toi, c'est ta gueule. Putain, c'est moi où il y a des loups. Putain, c'est moi où il y a des gens partout. Mais bouge de là. Bordel. Voilà, déjà, les loups, c'est fait. Ouais mec, c'est fait. Non, elle recharge pas là. Oh putain. C'est quoi qui m'a attaqué à travers le truc là? Tiens, putain. Putain, je suis mort. J'ai foiré ma séquence infiltration. Bon allez, recommence. Non mais un peu plus de sérieux s'il vous plaît là. Elle panique. Bon, essayons de les éliminer tranquillement. Là, ils se voient encore. Là, je peux les tuer. Ah, ça c'est fait. Je sais pas s'il est mort, si elle est morte ou pas. Enfin, s'il est mort, l'autre. Ils sont où les autres aussi? Ah d'accord, il y en a un peu partout. Là, il y a un type. Coucou. On va peut-être éviter d'approcher du feu. Quoi ça? On va éviter. On va aller passer de l'autre côté plutôt parce qu'il n'y a pas trop de lampes. Moins de chances de me voir. Ah bah si, je l'avais tué en fait. Hop. So. Petite séquence à la Metal Gear Solid pour ceux qui connaissent. Ah mais monte pas sur le caillou, t'es con. Bon allez, lui on va se le faire. Oh putain. Voilà. Putain, mais elle est trop conne, elle. Arrête de monter sur le caillou, bordel. Voilà, faut pas t'arrêter. Bon, eux ils sont ensemble, ça va être plus chaud. Hop. J'ai entendu un bruit. Non, c'est bon. Bon, on va peut-être se casser là. Oh putain, il y en a un là. Dame, dans ta gueule. Musique stressante en plus derrière.
fou comme c'est fragile, les petits mecs. Hop. Ah, y'en a un là. Ah oh, putain, merde, ils sont beaucoup. Ouais. Ouais, non, le passage là au fusil à pompe, à mon avis, ça va être un peu trop bruyant. Putain, ils sont combien là? Putain, ils sont 3, comment je fais pour les éliminer tous d'un coup? Non, ça va faire trop de bruit la grenade. Mais ils vont pas bouger, c'est con. D'accord. Bon bah, technique de diversion. C'est ça, t'as entendu. On va voir. Là-bas. Hop. T'as entendu. Putain, ils sont comme des bites. On va voir là-bas si j'y suis. Putain, bon. Bon, c'est bien, lui il s'en va déjà. Non! Voilà, ta gueule. Bonjour, je suis un terroriste. Bon, je vais crever, voilà, c'était sûr. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sur mes magnifiques fails, et puis je vous montrerai peut-être la prochaine fois si j'ai réussi à passer ou pas. Bref, salut à tous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et à la prochaine. Bye bye. J'arrête un écran, portant la mention play again.